Hello les amis, on est reparti pour un automassage du visage. Nouvelle formule avec un petit truc pour le nez bouché en plus. Donc effet anti-vieillissement, effet anti-rides, anti-poche et résultat garanti si vous faites ça au moins 3 fois par semaine. Vous allez voir, c'est magique. Allez, on y va. Ouverture, on va épousseter, on va enlever toutes les choses qui peuvent nous avoir embêté tous ces derniers jours. Voilà, on prend bien le menton vers l'oreille. Hop là, on ouvre. Voilà. Et donc, on met une petite huile ou une petite crème de jour avant. Mais il ne faut pas trop que ça glisse non plus, hein. Donc, je vous partagerai mon petit secret pour fabriquer une huile. Enfin, une huile crème, moi j'appelle ça huile crème parce qu'en fait je mélange de l'huile, de la crème et un petit peu d'aloe vera et des huiles essentielles pour remplacer la crème de jour et la crème de nuit et c'est top. Allez, on ouvre, on tire le long du menton, donc je mets mes doigts comme ça. On ouvre. Voilà, vers l'oreille, comme si on faisait un stretching des mâchoires. Voilà. Ça, c'est très important. Et en plus, on va ouvrir pour éviter notre double menton. On va jusque sous l'oreille. Voilà. Et on descend. On va jusqu'à l'oreille et ensuite on descend. Pareil, des deux côtés, jusqu'à l'oreille et je descends. Jusqu'à l'oreille et je descends. On active le système lymphatique comme ça. Et en même temps, on va aussi appuyer ici dans le creux où on a la fin du système lymphatique. Donc on active tout le système lymphatique par des petites pressions répétées au niveau des clavicules. On va faire au niveau des yeux, on va faire l'intérieur de l'œil. Hop, on envoie vers le bas. On va faire ça 3 fois. 2. Et 3. En bas, pareil. 1. Et 2. Et 3. Alors ensuite, les points d'acupuncture au niveau des yeux. Donc le premier ici. Contre le nez, méridien de la vessie. En général, j'appuie 5 fois, j'appuie, je relâche 5 ou 6 fois. Ensuite, le deuxième, on est encore sur le méridien de la vessie. Vous avez trouvé un petit creux par là. Et puis, extérieur du sourcil, pareil, un petit creux. Au coin de l'œil. Et puis, on va crocheter comme ça. L'estomac. Donc, si on était plutôt en Qigong des yeux, on ferait ce tour-là, on le fait plusieurs fois. Nous, on est en visage. Donc, en visage, on va commencer à pianoter doucement en dessous. Et donc, ça, pareil, au niveau des poches sous les yeux, au niveau des rides sous les yeux, c'est fantastique. Ça fait venir en fait les nutriments jusqu'à la peau pour pouvoir l'aider à se réparer. Puisque le vieillissement finalement, ce sont des petites fragilités qui se rajoutent. Donc il ne faut pas hésiter à faire ça quand même plusieurs minutes, hein. Si vous le faites à la maison, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. C'est encore mieux. Et si vous le faites plusieurs fois par jour, ce petit truc-là, un petit pianotage autour de l'œil, c'est top. Allez, on va faire la même chose au niveau des mâchoires. Allez, hop. Mâchoire, on refait un petit coup de frais
tout le long. Et puis, on va passer au nez. Donc, nos points du nez. On a le point principal ici, c'est un point du gros intestin qui est là, de chaque côté. Donc, le gros intestin est en rapport avec le poumon. En médecine chinoise, ils sont très copains tous les deux. Donc, on travaille sur le gros intestin, on va travailler aussi sur tout l'aspect respiratoire et pulmonaire. Donc, on va remonter un petit peu, un point au milieu ici. Et puis, notre fameux point, le premier qu'on a fait autour des yeux. Donc, ces trois points sont les points principaux de tout ce qui est respiratoire au niveau du nez. Et si on est sinus, on va rajouter ce point-là encore une fois. Allez, on frotte de chaque côté. Donc là, on peut aller un peu fort pour faire rougir tout ça. Et on va répéter cette opération. Alors moi, je vais le faire juste une fois. Mais si vous avez le nez bouché, eh ben, vous faites ça 4 ou 5 fois d'affilée. Vous allez voir, c'est magique. 2, 3, 4, 5, et je frotte. Allez, et on va terminer en ouvrant un petit peu comme au départ. On fait partir tout ça. Voilà. Voilà, et donc à venir, une petite vidéo fabrication de mon huile crème de jour et de nuit avec des huiles essentielles et des petits tips. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous pouvez vous abonner, c'est top.